Ah, ça m'est commun. Donc, on va commencer le cours aujourd'hui français du Pontéa. Donc, vous avez un patient que vous consultez, c'est un patient, un sujet de sexe masculin, âgé de 65 ans. Il est tabagique à 30 paquets années, diabétique depuis 6 mois, donc c'est un diabète récent, sous glucophage, donc sous adio un comprimé pour 2 par jour. Il consulte pour un ictère cutanéo muqueux. Son histoire remonte à un mois, marquée par l'installation d'un ictère cutanéo muqueux nu. C'est-à-dire quoi un ictère cutanéo muqueux nu? Un ictère nu. Un ictère nu. Ça veut dire quoi, être vu? Être vu ou bien? Après, ça fait le mouvement. Un coup là. Allez, toi, un coup là. 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 Un donc, un ictère nu, évoluant d'un seul tonon, c'est-à-dire évoluant d'un seul tonon. Un ictère nu, évoluant d'un seul tonon. Évoluant d'un seul tonon. Ça ne va pas. Pour l'émission. D'un seul tonon sans rémission et décider d'un plurie généralisé avec des cernes colorées et des urines foncées. Donc, vous recevez ce patient à la consultation, à votre consultation externe. Quelle serait votre conduite à tenir? Comment vous allez aborder ce malade? Un malade, il vous comprend, il vient d'avoir un diabète, du moins, sous la vidéo, et vous consulte pour un ictère nu, évoluant d'un seul tonon. Comment vous avez abordé ce malade? Elle est jeune en consultation externe, un de souris est fini, un de désirine foncée, des terres décolorées, un des bien plus décolorées. Ça part en commence, madame la malade. Alors, je ne veux pas. Mais comment on va l'abordé? Comment je vais l'abordé? Pourquoi je vais l'abordé? Hein? Ils vont se lancer sur le bureau.
pays des malades, hein, tu vois, pas de l'enfant du dépôt. C'est ça qui est fait du temps, en fait. Il est en voyage. Il est en voyage. Il est sous sa tente. Et type, justement, hein, allez, tu me poses cette question, maintenant. Car je dis à quoi, pendant cette question. La présentation finit par les symptômes. Dérange non. Olivier. D'accord. Allô. Dérange non. L'antécédent principal. Le symptôme principal, ça non. C'est dicté. Donc, quelqu'un qui sera à traitement, c'est dans ce sens-là. Hein? Alors, il y a des médicaments qui peuvent donner un nickel. Hein? Je vois. Je relève les antécédents médicaux, la prise médicamenteuse. Hein? Je vois. Les antécédents chirurgicaux, c'est-à-dire les antécédents chirurgicaux. Quel type de chirurgie? Par quoi on va commencer? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est dans de l'urétiase, connu, suivi pour l'urétiase. Hein? Courche nous, courche nous. Hein? Donc, c'est dans de l'urétiase bilié. Hein? Noir. Bon, il a un ictère. Ça suppose qu'il y a quoi? Donc, c'est là un ictère. C'est pas un tableau de pancréatite, ça. C'est pas un tableau de pancréatite. C'est pas un tableau dangereux. Non plus. Dicter sur le plan mécanique, c'est la traduction de quoi? D'une? Ouais. Madame, on arrive à... Oui, c'est une. Mais cette obstruction, elle pourrait être due à quoi? Monsieur? Oui. بيرانا ما صوت كان بعيد ما كناش نسمعوا راهو حتى كلينيك كيف زرت لهم مش معناها نو دان سولتو نو رانا ما سمعنا شيء مازلنا ما فسرناهمش نو دان سولتو نو هاو قربنا توا اوكي يا هاي دونك لا تراديكسيون ميكانيك دان نيكتير سي ليكزيستانس دان اوبستاكل دو فات على او باساج دو لا بيلوريفين او بيان دو لابيل sur la voie biliaire principale. Donc, on doit raisonner dans ce sens-là, qu'il y a un obstacle au passage de la bile au niveau des voies biliaires, que ce soit les voies biliaires intra ou bien extra-hépatiques. Mais, donc, on doit interroger le malade sur les antécédents chirurgicaux, notamment la chirurgie abdominale. Hein, par la suite, quelle serait l'étape suivante? Les antécédents familiaux, de quoi? Surtout le cancer du pancréas ou bien le cancer digestif. Donc, c'est un patient qui est âgé de 65 ans, il est tabagique, il est diabétique, il a un ictère d'installation récente, avec des urines foncées et des selles décolorées. L'ictère nu, c'est-à-dire c'est un ictère qui n'est pas associé à d'autres signes. Je nomme les autres signes qui peuvent être associés à un ictère. La fièvre et la douleur, formant ainsi la triade de l'angiopolite aiguë. Donc, à l'examen clinique, on note un ictère intense avec des lésions de grattage sur tout le corps. Il n'a pas de fièvre, il est apérétique. Et l'examen abdominal trouve une hépatomégalie indolore avec un flash hépatique à 15 cm. Présence d'une masse au niveau de l'hypocondre droit oblong, grignotante, mobile avec la respiration. Qui correspond à quoi cette masse?
à votre avis? Ça correspond à quoi, cette masse au niveau de l'hypocondre droit qui est oblongue? C'est la vésicule biliaire qui est distendue. Le toucher rectal objectif des selles décolorées. Donc voici l'aspect d'un muqueux. Donc au bilan biologique, le bilan hépatique montre une bilirubine totale à 168, une bilirubine conjuguée à 89, des azates à 120, des alates à 74 et un TP à 50%. Qui peut interpréter ce bilan? Qui peut interpréter ce bilan? Ah, je le bilan. Normal. Donc, je fais une marque, c'est normal. C'est ça, Marie, que lorsque la bilirubine totale est d'aller élevée, la conjuguée également elle est élevée, les alates elles sont élevées, les alates également, l'ETP il est bas. L'ETP il est bas, hein. C'est ça, Marie, quand la bilirubine totale est élevée, la bilirubine conjuguée est élevée avec les phosphatases alcalines et les gamma agités. Sur le plan biologique, je n'ai pas de simple. Insuffisance hépatique. Non. Pardon. Insuffisance hépatique. Insuffisance hépatique, l'AZ ou la LATA, la RAOTPETA. Non. Non, non. Cholestase. Ah, c'est une cholestase. C'est une cholestase. C'est une cholestase biologique. La traduction de cette cholestase biologique, c'est l'ictère. L'élévation de la bilirubine, que ce soit total ou bien conjugué dans le sang hépatique, l'ictère. Hein? Pour l'élévation des azates et des alates, ça s'appelle quoi? Ça va comment? Pas en principe. C'est la cytolyse. Donc, ce malade, il a une cholestase, il a une cytolyse qui est modérée avec un TP. Bah, pourquoi il a un TP, à votre avis? Oui, il va pourquoi elle a un TP bas? Pour un TP normal, à combien? Entre 70 et 100%. Il a un TP bas, pourquoi? La cholestase est prolongée. Non. Vous devez connaître le mécanisme de la cholestase pour comprendre comment elle a développé ce trouble de l'hémostase. Donc, quelle serait votre conduite à tenir ou bien quel serait le premier examen à demander devant un patient qui vous consulte pour un ictère évoluant d'un seul tenant, c'est-à-dire sans régression, sans rémission, avec un prurit généralisé et une cholestase biologique, à prédominance conjuguée. C'est une cholestase à prédominance conjuguée. Hein? Quel serait le premier examen? Échographie. Donc, le premier examen à demander, c'est une échographie abdominale. Pourquoi on demande une échographie abdominale? Pourquoi on commence par une échographie? Qu'est-ce qu'on demande au radiologue? Pourquoi on demande une échographie? Scanner mouchir, en principe, le plus sensible et le plus spécifique. Pourquoi on ne commence pas par un scanner? صحيح اول حاجه اللي ديسپونيبل ها شنو صحيح اللي نون انفازيف ها ميديك ايش معناها نون انفازيف اللي نون راديونت اللي اكسيسيبل فاسيلمون اكسيسيبل ها كاس كي دوموند ديستاس كاس كي دو شاشي ديتياج دونك سي ليتيولوجي هكا ولا ها كاس كي شاش ايغالمون. Après, tu dois chercher une dilatation des voies biliaires. Est-ce qu'il y a ou non une dilatation des voies biliaires? Hein? Ou bien, je ne vois pas. Et éventuellement, la nature de l'obstacle. Mais essentiellement, il doit chercher est-ce qu'il y a ou non une dilatation des voies biliaires. Après, l'échographie est
examen non invasif, taxifile, répétitif. Ça fait partie actuellement de l'examen abdominal, mais la fiabilité, la sensibilité par rapport au scanner, ça dépend surtout parce qu'il est opérateur dépendant. Donc, ce patient a eu bien bénéficié d'une échographie qui a montré une dilatation des voies biliaires intra- et extra-hépatiques avec une vésicule biliaire distendue en contenu aléphiasique. La voie biliaire principale mesure 13 mm pour une voie biliaire normale à combien? 6 mm, ça arrive. Donc 6-7 mm. Donc c'est une voie biliaire qui est dilatée. Il existe une masse de 3 cm hypoéchogène bien limitée et déformant le contour de la tête du pancréas. Je demande donc de constatation en fragénavie échographique qu'il y a une dilatation de la voie biliaire principale, une dilatation des voies biliaires intra-hépatiques en amont d'un obstacle du carrefour bilio pancréatique. Donc, attends, on va les donner de l'échographie. Hein? Sur ce, quels sont les diagnostics? La suivante. Donc, vous avez une dilatation. Sinon, en pharmacie, on doit chercher également l'échographie. À part la dilatation des voies biliaires et à part l'obstacle. Moi, je dis, mais l'échographie est dans l'obstacle là. شيء حاجة لو كتنجم ميكوغرافية وريهن الوبستاكل اللي سيتوية او اه نبدأ اون نيفو دو لا تيت دو بانكريا ها كيف كون شيرش ايجالمون صح كانال دو فيرسون مي دونك هذه سي لا فيزيكول بيليير. Elle est distendue, qui est de contenu hypoéchogène, hein, le même contenu que celui de la voie biliaire principale. Et c'est la voie biliaire principale qui est dilatée. On a moins 7 de cette masse qui est hétérogène. Donc, avec le contenu liquidien, hein, le même au niveau de la vésicule biliaire que celui au niveau de la voie biliaire principale. Elle est ici la masse au niveau de la tête du pancréas. Hein? Qu'est-ce que l'autre examen a demandé pas? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on demande pour ce scanner? Quel serait le but de demander ce scanner? Qu'est-ce qu'on a? Ça? La nature de l'obstacle, là, hein, c'est une masse. Hein? Noir. Qu'est-ce qu'il est demandé de ce scanner? Qu'est-ce qu'on cherche de plus? On a une dilatation du vavillaire et on a une masse. Qu'est-ce qu'on cherche de plus? Quel type d'extension? Extension locale régionale, hein? C'est-à-dire locale régionale. Elle se fait où cette extension locale régionale? Vers les organes de voisinage. Allez, on va maintenant les organes de voisinage. Le duodénum, hein? Non, le colon transverse, oui. Ça, c'est au niveau de la tête du pancréas. Hein? Territoire. Je nomme les rapports postérieurs du corps, de la tête du pancréas. Le colon. Non, le colon, il est loin. Les rapports vasculaires. Quels sont les rapports vasculaires de la tête du pancréas? Plexus céliaque. Ah, mais le plexus céliaque, c'est un rapport nerveux, il est très postérieur. Hein? C'est le corps essentiellement. Pour le plexus céliaque, c'est le corps, c'est la partie corporelle et non pas la partie céphalique. Pour la partie céphalique et l'incus, c'est son rapport avec quoi? Arrête, c'est la veine et la tête. Ah, c'est la veine supérieure, inférieure. C'est la veine et la tête des entérites supérieures qui passent sur la face postérieure du pancréas, au niveau du bord supérieur du pancréas. Les vaisseaux. Non, ce qui est que c'est du côté gauche. Non. Je me disais, c'est gastrique, mais c'est toi, Dachné. C'est l'artère hépatique commune et un élément veineux qui draine le foie. Bien qui draine tout le tube digestif. Ça, c'est-tu, le tronc?
fort. Parce que la veine mésentérique supérieure, en recevant nos transsphénomes mésentériques du côté gauche, se contenue en haut par le tronc porte, qui se divise en deux veines, la veine porte droite et la veine porte gauche. Hein? Qu'est-ce qui est demandé donc au scanner? De préciser les rapports de cette masse, donc l'extension loco-régionale vers les organes de voisinage et le homme. Le duodénum et les vaisseaux. Hein, chinois? Une extension ganglionnaire, hein, si elle est visible, mais il y a un autre examen qui précise mieux l'extension ganglionnaire, notamment ganglionnaire et veineuse. Hein? Donc, tu as l'extension loco-régionale, vasculaire et lymphatique, et tu as l'extension. C'est ça, Malik. À distance, l'extension, donc, à distance. Donc, ce malade a eu un scanner abdominal, bien thoraco-abdominopelvien, pour évaluer l'extension loco-régionale de cette tumeur. Donc, ce scanner est membre. Il montre donc la masse au niveau de la tête du pancréas, ça c'est le pancréas. Tout ça c'est le pancréas, ça c'est la partie caudale qui est en rapport avec le pancréas, ça c'est la partie corporeale et ça c'est la partie céphalique. Ce que vous voyez ici c'est le reste, c'est les deux dynamiques. Donc, allez, je m'en vais. Ah, le curseur, dans la masse. Ah, allez, c'est quoi? Le curseur, Marie. Donc, allez, c'est quoi? Mais je crois que tu as dit que tu as dit. Là, le curseur. Allez, c'est quoi? Vous voyez ça? C'est nous, avec. Allez, voilà le pancréas. Je le pancréas. Donc, là, c'est le canal de Virson. Sur le canal pancréatique principal. Et comment ce canal pancréatique principal? De quel diamètre normalement? Inférieur à 3 mm. 3-4 mm. 6 mm pour la voie brève principale. Alors, maintenant, on peut se coller sur le poids. Alors. C'est la dilatation, ça correspond à la dilatation du voie brève. Je suis sûr. Donc, là, ce sont les dilatations, ça correspond à la dilatation du voie brève en entrave hépatique. Quel est-ce? C'est la vésicule biliaire qui est descendue. Elle est sur le pancréas avec une atrophie du parenchyme pancréatique. Elle est sur le canal du bouchon tout au long du pancréas. Elle est délatée. Ça, c'est la partie céphalique. Ça, c'est la partie corporelle. Et ça, c'est la partie caudale. Elle est le rapport donc, du pancréas. Elle est sur le sol là. Elle passe sur la face postérieure du. Les rapports vasculaires du pancréas sont postérieurs. C'est l'artère mésentérique inférieure. Le pancréas, il y a la queue, le corps et la tête du pancréas avec l'incuste pancréatique qui s'interpose entre l'aorte en arrière et l'artère mésentérique supérieure en avant. Là, il y a une lésion au niveau de la tête du pancréas qui est à l'autre. تسمع ولا اسمعوا اما مانيش قاعدين نشوفوا في الكورسور جمله اي الكورسور تو باش يجي سي عادي تو نشوفوا باهي فما لي فلاش فما لي فلاش ماشي عارف نسمع فيك ما هي ماشي سمعت هذا
هي ما كومش تسمعوا فيها خطرها بعيدة باقي لي فلاش او نيفو دو فوا كوما شفتوهم ولا اي هكوما سو سون لي فوا بيليير انترا هيباتيك كي سون ديلاتي ليبودونس وهنا فما لمس او نيفو دو لا تيت دو بانكرياس Elle engaine, elle est à l'origine d'une obstruction au niveau de la voie biliaire principale qui est dilatée, qui explique la dilatation au niveau de la voie biliaire principale et la dilatation au niveau du canal du verso, c'est la dilatation bicanalaire. Ça va bien? Donc devant toute dilatation bicanalaire, c'est un obstacle tumoral jusqu'à preuve du contraire. Oui, non, comme une dilatation bicanalaire, c'est un obstacle, il est tumoral, c'est une tumeur jusqu'à preuve du contraire, que ce soit une tumeur de la tête du pancréas, ou bien du cœur, quel que soit donc le type de tumeur, mais c'est une tumeur. Une dilatation bicanalaire égale une tumeur jusqu'à preuve du contraire. شوفوا توا تسمع فينا ولا اي هاي نشوفوا في الكرسور توا مريق شوفوا فيها هاي توا دونك rapidement هذوما la dilatation au niveau des voies biliaires en intra hépatique شفتوا مولا الو oui monsieur La glande pancréatique, ça c'est la tête du pancréas qui est le siège d'une lésion hypodense à l'origine d'une dilatation de la voie biliaire principale ainsi que du canal de Wilson. C'est un canal, c'est le canal pancréatique principal. C'est-à-dire la queue du pancréas, le corps et la tête du pancréas, c'est-à-dire la lésion. C'est-à-dire c'est la vésicule biliaire qui est très distendue. C'est bon? Oui. Allô? Oui, c'est bon. Oui. Donc, un rappel anatomique sur le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est rétro-péritonéal. Donc, il est situé, donc, il a une direction de droite vers la gauche. Il a un trajet qui est oblique de bas vers le haut et de derrière vers l'avant. Il est formé par trois parties. Une partie céphalique, qui a des rapports intimes avec le duodénum. Une partie corporeale, c'est le corps du pancréas. Et une partie caudale, qui a des rapports essentiellement avec la rate, avec le rein et avec l'angle colique gauche. Pour les rapports de la tête du pancréas, le duodénum, ce sont les vaisseaux mésentériques qui passent sur la face postérieure du pancréas. Nous avons l'artère mésentérique supérieure qui se situe à droite. Et la veine mésentérique supérieure qui est située à gauche. Elle est la aorte, elle est la veine cave. Mais le pancréas, c'est un organe qui est rétro-péritonéal dans sa totalité, sauf la partie caudale. Maintenant, quand tu as la cavité péritonéale, tu ne vois pas le pancréas, tu ne vois que la partie caudale qui est en rapport avec, essentiellement avec la rate. Vous avez ici donc le. L'anatomie des voies biliaires, le canal hépatique gauche, le canal hépatique droit. La voie biliaire accessoire est liée à la vésicule biliaire avec le canal cystique, le canal hépatique commun, et après l'abouchement donc du canal cystique, on a la voie biliaire, on a le colédoc, et depuis donc la convergence biliaire supérieure atteint l'abouchement au niveau
de la face interne du lieu 2, et donc sur le lieu de l'onde, la voie biliaire à sa bouche au niveau de la face interne du lieu 2, on a donc le, la voie biliaire principale. Donc à sa bouche avec le canal pancréatique principal ou le canal du versum au niveau de l'ampoule de Vater. Cette ampoule de Vater elle est formée par un sphincter de la voie biliaire principale, il y a un sphincter pour le canal du versum, il y a un sphincter commun, c'est le sphincter d'Oddi. Maintenant, la voie biliaire principale a un sphincter wahada, le canal du versum a un sphincter wahadu, comme un sphincter commun pour les deux, c'est le sphincter d'Oddi. Toute cette région, c'est l'ampoule de Vater. Donc, quand on a les rapports vasculaires ou bien la vascularisation du pancréas, il est essentiellement du tronc ciliaire qui donne l'antenne ventrique supérieure, statique, les deux cercles péripancréatiques, droit et gauche. Donc, théorique après avoir vu le cas clinique concernant le cancer du pancréas exocrine. Ça représente 10% de la totalité des cancers digestifs. Ça touche généralement des patients de la soixantaine avec une légère prédominance masculine. Trois facteurs favorisants la genèse de ce type de cancer, ce sont la pancréatite chronique, que ce soit héréditaire ou alcoolique, le tabac et des facteurs héréditaires. Il s'agit d'un cancer très méchant, de très mauvais pronostic, avec une survie à 5 ans qui ne dépasse pas les 4%, et ceci est dû à l'absence de facteurs de risque très spécifique interdisant une prévention efficace ainsi qu'un diagnostic tardif vu en raison de la latence clinique de ce cancer et l'apparition un peu lente de différents symptômes. Donc, ce mauvais pronostic est dû aussi à une invasion tumorale rapide. C'est un cancer qui est très lymphophile avec un envahissement loco-régional qui est très rapide vu la présence de plusieurs organes, des rapports vasculaires surtout, de voisinage de la tête du pancréas. Donc là j'en ai les facteurs favorisants, ce sont le tabac, la prise des calories d'origine animale, ainsi que des facteurs environnementaux. Quant au mode de diffusion de ce cancer du pancréas, nous prenons comme type de description le type histologique le plus fréquent, qui est l'adénocarcinome canalaire, qui représente 90% de l'ensemble des cancers du pancréas. Il y a aussi les tumeurs kystiques dégénérées et les tumeurs endocrines. L'extension de la lésion donc se fait de trois façons. C'est une extension loco-régionale par envahissement de la voie biliaire principale. Donc une lésion au niveau de la tête du pancréas, ça va envahir la voie biliaire principale. Elle envahit le duodénum, elle envahit l'estomac, l'entre-gastrique, et elle envahit les vaisseaux, et surtout les vaisseaux de voisinage, à savoir le tronc porte et les vaisseaux mésentériques supérieurs. Une extension lymphatique péripancréatique, hépatique, céliaque et mésentérique supérieure. C'est une extension qui se projette sur les trajets veineux tout autour de la tête du pancréas et les métastases à distance, à savoir l'atteinte hépatique, péritoniale, pulmonaire et osseuse.
quant à la localisation, le cancer le plus fréquent, je n'ai la localisation la plus fréquente. Donc, ça représente 60% de l'ensemble des cancers du pancréas. Les lésions au niveau du corps du pancréas, ça représente 15% et la queue, 5% seulement. Donc, pour les lésions au niveau de la tête du pancréas, la première manifestation, nu, sans rémission, évoluant, d'un seul tenant, où c'est un ictère cholestatique, donc associé à des urines foncées et des selles décolorées. Allez, il y a un obstacle au passage de la bile conjuguée dans le tube digestif. Donc, comme un reflux cholangio-veineux. Donc, il n'y a pas assez de bile qui passe dans le tube digestif qui contient l'astercobiline. C'est elle qui donne la coloration des selles. C'est pour ça qu'on trouve des selles décolorées. Pour les lésions au niveau du corps du pancréas, la manifestation principale sont les douleurs épigastriques en rapport avec l'envahissement du plexus. Solaire. Du plexus solaire. Quant aux lésions au niveau de la queue du pancréas, la traduction clinique, c'est plutôt la palpation d'une masse au niveau de l'hippocampe gauche qui serait. Alors, ça traduit par une masse. Alors, la queue, ça traduit par une masse. Après, il est intraperitonéal, il est superficiel. Le trajet du pancréas, comme on a dit, c'est un trajet qui est ascendant, qui est posturo-antérieur. Donc, la traduction clinique d'une tumeur de la queue du pancréas, c'est le syndrome de masse. C'est la masse au niveau du hypocondre gauche. Donc, vous retenez ça. Exactement. Pour le cancer de la tête du pancréas, c'est la manifestation. Donc, des éléments clés. La manifestation clinique de chaque localisation du cancer du pancréas. Pour la tête, c'est l'ictère nu, rétentionnel, progressif, évoluant d'un seul tenant sans rémission, accompagné à un prurite qui précède parfois l'ictère. Pourquoi il a un prurite, le malade? علاش الى ان بريت علاش بدات تتصل علاش عنده ان بريت علاش حق المريض بالبين دون صون تعطيك ان كتير تعطيكش ان بريت بوركوا الى ان بريت بوركوا يسو غرات المالاد لي سيل بيليير نحكي سي لاكوميلاسيون دي سيل بيليير او نيفو دو لا بو سي لاكوميلاسيون دي سيل بيليير نون با لا بيليير دونك لاميغريسمون. C'est un amaigrissement très important avec une altération de l'état général et la grosse vésicule palpable à l'examen clinique. On a fait un obstacle mécanique au niveau du cholédoque, au niveau de la partie basse de la voie biliaire principale. Donc, on a une distension en amont. Entre autres, il y a une distension de la vésicule biliaire. C'est un phénomène mécanique. L'explication, c'est des phénomènes mécaniques. Donc, une distension, on a le cas clinique, qui fait une palpation d'une masse oblongue, rénitente, je ne sais pas, au niveau de l'hypocondre de loin. C'est-à-dire que c'est la grosse vésicule palpable. C'est-à-dire c'est une question clé. Pour les lésions au niveau du corps du pancréas, la douleur intense de type solaire. Ce sont des douleurs épigastriques, transfixiantes, calmées par une position antalgique en chien de fusil et qui évoluent par crise et qui nécessitent généralement le recours à
l'administration des morphines. Sont des douleurs nerveuses et associées à un amaigrissement. Pour les lésions au niveau de la queue du pancréas, c'est la portion intra-péritonéale du pancréas, elle va donner une masse irrégulière et fixe de l'hypochondre gauche. Et toujours lié à l'amaigrissement en rapport avec l'altération de l'état général. Cancer cache-occlusion, elle est connue maintenant. Un cancer cache-occlusion, ça, un patient il consulte juste pour une cachexie, juste pour un amaigrissement. Alors que c'est un cancer du pancréas. C'est très méchant. Attends, Jules, on base les chiffres. C'est très méchant. Pour les lésions qui sont vues tardivement, un stade avancé. Un stade plus avancé, un stade d'envahissement loco-régional. Il y a l'envahissement duodénal qui est à l'origine d'une sténose duodénale. Donc, ça donne un tableau de sténose digestive haute. Qui fait la manifestation clinique de la sténose digestive haute. Les vomissements post-prandiaux précoces. L'hémorragie digestive, qu'il soit par un envahissement duodénal et une ulcération de la lésion qui est à l'origine, soit par une hypertension portale à l'origine des varices gastriques qui peuvent saigner. Et la lésion pourrait être diagnostiquée à un stade de métastase. Il faut donc penser au cancer du pancréas devant une fièvre au long cours qui est inexpliquée, une thrombose veineuse profonde ou un syndrome dépressif. Et tout ça rentre dans le cadre du syndrome paraneoplasie. En résumé, les lésions au niveau de la tête prostatine, un ictère avec prurite, avec amaigrissement. Les lésions au niveau du corps, ça donne des douleurs de type solaire avec amaigrissement, dimérame amaigrissement. Ou l'air colique, c'est une explication mécanique. Selon la glande pancréatique, tu as une imagination. Je prends les signes cliniques. La lésion au niveau du corps, ça peut envahir le plexus solaire, ça donne des douleurs de type solaire. La lésion au niveau de la tête, ça obstrue la voie biliaire principale et donc c'est l'ictère. Et la lésion au niveau de la queue, c'est une portion intrapéritoniale qui donne une masse irrégulière, je ne sais pas. Au diagnostic différentiel devant un ictère par rétention. Le diagnostic à évoquer devant un ictère. Un ictère de type cholestatique. On peut évoquer un l'ampulant bactérien. Est-ce qu'il y a une hydratation bicanalelle de l'ampulant bactérien ou pas? Yes, parce que l'ampoule de Vater, ça bouge là où ça bouge les deux tuyaux, la voie biliaire principale et le canal de version. Alors, je fais une cholestatique à l'ictère, quel est le mécanisme? L'obstruction de cholestite ou en série? Cholestite, obstruction, c'est le canal احنا ديما نحكيو على ان اكتير نو نو sans fièvre sans douleur donc c'est pas le syndrome angiocolitique c'est pas la cholecystite non plus donc هنا ça nécessite pour expliquer un اكتير نو cholestatique il faut avoir une obstruction complète de la voie biliaire principale à l'axe l'angiocolite حكينا انتو في الجروب في الستاج l'angiocolite aiguë, c'est une obstruction complète. Non, je compte complète, mais à un ictère qui est comment? Fluctuant, à rechute. Il y a un ictère, donc ça s'obstrue. On va aller quand on a l'obstacle, ça va être l'obstacle, le kef d'un obstacle.
Ça, on gagne, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Donc, pour expliquer un ictère par rétention, sans fièvre, sans douleur, il y a un obstacle complet de la voie biliaire principale. Donc, soit un calcul colitocien enclavé dans la voie biliaire principale, soit un cholangiocarcinome, c'est le type histologique le plus fréquent du cancer des voies biliaires. C'est un cholangiocarcinome du bas colédon. Devant des douleurs épigastriques, je vais vous faire ma sur le plan anatomique au niveau de l'épigastre. Comme l'estomac, comme le côlon transverse, comme le pancréas, comme tout simplement une lésion bénigne au niveau de la glande pancréatique, à savoir la pancréatite chronique. Et devant un syndrome de masse de l'hypochondre gauche, kiff kiff, belle anatomie, je n'ai pas femme au niveau de. Les rapports, parce que les rapports du pancréas du côté gauche, c'est moi qui m'a dit, l'angle côté gauche, ou la rate. Donc, ils ont d'accord. Ils ont d'accord l'anatomie, pas d'accord la pathologie. Bon, quant à la biologie, il n'y a pas de marqueur sensible et spécifique aux lésions de la tête du pancréas, mais plutôt des lésions conséquentes au cancer de la tête du pancréas qui pourraient expliquer la cholestase biologique, la hakena pancréalée en détail, ainsi que l'augmentation de certains marqueurs tumoraux, CA19-9 et l'ACE, qui ne sont pas spécifiques aux lésions néoplasiques de la tête du pancréas. Donc, après avoir retenu ce diagnostic, l'étape n'est pas à Tchnei. Ça y est, on a retenu le diagnostic d'un cancer du pancréas, quel que soit son siège. On a deux questions. Est-ce qu'il est très résicable ou là, hein? Et pour le patient, ça, concernant la tumeur, pour le patient, est-ce qu'il est opérable ou là? Le cancer est résicable, c'est un malade non opérable, l'invertébré. Donc, c'est une évaluation à la fois de la lésion et du patient. Voilà. Donc, commençons par le bilan d'extension. Donc, fille. Un bilan d'extension clinique à la recherche d'une hépatomégalie tumorale témoignant de la présence de métastases hépatiques. La palpation d'un ganglion de Troisier. T'as fou le ganglion de Troisier? Hein? C'est quoi? Adénopathie supraclaviculaire. Gauche ou la droite? Gauche. Gauche.